poussin noir. Senteux ont éclos dans la couveuse des fermiers Vitellus. 99 poussins sont nés jaunes, le dernier est né noir comme du café sans lait. Les poussins ont aussitôt choisi leurs parents. Madame Vitellus est devenue maman poule. Monsieur Vitellus est devenu papa coq. Seul poussin noir les a rejetés. Ils sont jaunes et moi je suis noir. Je ne sens pas mes parents. Je veux trouver ma vraie famille. Au fond de la cour de la ferme, Poussin Noir rencontre Kaboum. Es-tu mon papa ? Lui demande-t-il. Mais non, mon poussin. Je suis un chien et mes enfants sont des chiots. Poussin Noir est déçu. Ça lui aurait plu d'avoir un papa aussi fort. Il aurait aimé être un chiot pour aboyer après le facteur et promener ses maîtres chaque dimanche. Va donc voir dans l'étable si tes parents n'y sont pas, suggère Kaboul. Dans l'étable, Poussin Noir rencontre Agrippine. Es-tu ma maman ? Lui demande-t-il. Mais non, mon poussin. Je suis une chatte et mes enfants sont des chatons. Poussin Noir est déçu. Ça lui aurait plu d'avoir une maman aussi jolie. Il aurait aimé être un chaton pour jouer à chat perché et chaparder le lait des vaches. Va donc voir jusqu'au verger si tes parents n'y sont pas, suggère Agrippine. Arrivé au verger, Poussin Noir rencontre Jacques-Henri. Es-tu mon papa ? Lui demande-t-il. Mais non, mon poussin. Je suis un porc et mes enfants sont des porcelets. Poussin Noir est déçu. Ça lui aurait plu d'avoir un papa aussi marrant. Il aurait aimé être un porcelet pour croquer des pommes vertes et se rouler dans la boue. Va donc voir près de l'abreuvoir si tes parents n'y sont pas, suggère Jacques-Henri. Devant l'abreuvoir, Poussin Noir rencontre Johanna. Es-tu ma maman ? Lui demande-t-il. Mais non, mon poussin, je suis une chèvre et mes enfants sont des chevreaux. Poussin Noir est déçu, ça lui aurait plu d'avoir une maman à barbichette. Il aurait aimé être un chevreau pour avoir des petites cornes sur le front et jouer à cache-cache dans la paille. Va donc voir à la rivière si tes parents n'y sont pas, suggère Johanna. Sur la berge de la rivière, Poussin Noir rencontre Calypso. Es-tu ma maman ? Lui demande-t-il. Mais non, mon poussin, je suis une canne et mes enfants seront des canetons. Poussin Noir est déçu. Ça lui aurait plu d'avoir une maman aussi douce. Il aurait aimé être un caneton pour se blottir dans le grand nid douillet et barboter au fil de l'eau. Va donc voir dans le bois si tes parents n'y sont pas, suggère Calypso. À l'orée du bois, Poussin Noir aperçoit deux silhouettes sombres qui se découpent sur le soleil rouge. Son cœur bat très fort. Il se met à courir en piaulant. Papa, maman, c'est moi, votre petit garçon. Et deux voix rauques lui répondent. Viens vite, mon poussin. Nous t'attendons.